peut se faire des amis pour la vie. Où tout nous semble permis quand on monte le chevaux et qu'on se sent libre. On est des amis, prêts pour l'aventure. On voit du pays sur nos splendides montures. Dans l'épisode d'aujourd'hui, personne ne viendra te déranger ici. Zoé refuse de libérer un oiseau sauvage. Tu pourrais vivre chez moi, ce serait bien. Mais Pilou a envie d'être libre. Elle comprend son erreur lorsqu'elle se retrouve elle-même enfermée. Je n'arrive pas à ouvrir. Oui, c'est vrai. Il n'y a vraiment pas de quoi rire, Carlotta. Tout va bien, Lily? Oui, je te remercie, ça va. Oui, j'ai trébuché, ça m'arrive quelquefois. Attention, tu risques de te faire mal un jour. Tu n'as pas de chance, ma pauvre Carlotta. Est-ce que tu t'es fait mal? Non, tout va bien. Je n'ai rien. Tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai l'impression que Lily est bien plus sensible au malheur des autres que Carlotta. Et d'ailleurs, Zoé était assez insensible, elle aussi, jusqu'au jour où elle a fait la connaissance d'un petit oiseau. C'est incroyable, tu ne vas pas t'arrêter tout le temps pour cueillir des fleurs. Allez, viens. Je vais faire un joli bouquet et je vais l'offrir à maman. Demain, c'est son anniversaire. Regarde comme elles sont jolies. Tu devrais plutôt aller chez le fleuriste lui acheter un bouquet. C'est ce que tout le monde fait. Maman va être contente. Si tu as vraiment l'intention de les offrir à maman, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Tu vois les feuilles vertes que tu as ramassées? Oui, et alors? Ce sont des plantes urticantes. Trop tard, tu les as touchées. Tu n'es pas gentille. Tu aurais pu me prévenir avant que je les cueille. Je ne savais pas que tu ignorais qu'elles donnaient de l'urticaire. Il faut faire demi-tour, je veux rentrer, ça commence à me gratter. J'ai déjà des plaques rouges sur les bras. Tu n'as qu'à rentrer si tu veux. Moi, je vais me balader encore un peu. Tu te moques de ce qui m'arrive. Qu'est-ce que tu peux être égoïste? Tu connais le chemin. Tu peux bien rentrer toute seule. Oh, ça alors? Non, mais tu as vu ça, Pepper? C'est un beau petit oiseau bleu. Tu es blessé, petit oiseau? Tu as surtout eu très peur. Oh, voilà le faucon qui revient. Le pauvre, il va lui faire mal, c'est quand même bizarre. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je protégerais un petit oiseau. Il est si mignon, il ne peut pas se défendre. Et il ne sera pas en sécurité si je l'abandonne ici. Je pourrais l'emmener avec moi, à condition que personne ne s'en aperçoive. Est-ce que tu veux venir avec moi? Je sais où tu seras en sécurité. Qu'est-ce qui t'arrive, Chloé? Tu es malade? Ce sont les plantes urticantes. Ne me touche pas. Je vais brosser Chili et lui donner à manger. Va voir à l'infirmerie, ils ont peut-être une pommade pour ça. Merci, c'est horrible, ça me démange. Tu en as partout. Ça me paraît compliqué, tu es sûre que ça va ressembler à un volcan? J'espère bien, je tiens à avoir une bonne note, c'est pour l'école. Oh, qu'est-ce que c'est? Tu permets que je me serve? Oh oui, je sens que ça va me soulager. Ça te soulage pour l'instant, mais quand ça va sécher, tu vas souffrir pour les enlever. Oh, pauvre Chloé. On est arrivé. C'est une vieille cabane de Horseland qui ne sert plus. C'est un endroit idéal pour te cacher. Personne ne viendra te déranger ici. Surtout pas ce méchant faucon. Oh, tu seras en sécurité. Tu vas rester dans cette cage jusqu'à ce que tu ailles mieux.
Bravo, qu'est-ce que tu chantes bien. J'ignorais que tu étais un oiseau chanteur. Je dois y aller maintenant, je t'apporterai des graines quand je reviendrai. Je comprends pourquoi maman ne voulait pas que je fasse ça à la maison. J'espère que j'aurai terminé demain. Oh là là, qu'est-ce que c'est lourd. Zoé, est-ce que tu peux nous aider à ouvrir la porte de la grange, s'il te plaît? Je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Oh, sois gentille. Tu pourrais nous rendre service, non? Attendez une seconde, j'arrive, les filles. Je vais vous aider. Oh, merci, heureusement que tu nous as vus. Il y en a une qui a refusé de nous aider. C'est cette petite peste de Zoé Roquefort. Salut, à tout à l'heure. Attends une seconde, tu pourrais m'aider? Je n'ai pas le temps, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Bonjour, petit oiseau. Regarde, je t'ai apporté plein de bonnes choses. Tiens, une belle petite cloche, regarde comme elle est jolie. Tu veux sortir? C'est trop tôt, tu ne peux pas sortir maintenant, il faut que tu reprennes des forces. Voilà ta cloche. Et ce n'est pas tout, il y a autre chose. Ça, c'est pour aiguiser ton bec, c'est très important. Oh, ne sois pas triste, demain je t'apporterai autre chose. J'adore t'entendre gazouiller. C'est magnifique, je pourrais t'écouter chanter pendant des heures. C'est l'heure, maintenant il faut que j'aille m'entraîner. Salut, bon appétit, je repasserai plus tard. Zoé? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais là? Je me demande bien ce qu'il y a là-dedans. Je n'y suis jamais entrée. Il y a des toiles d'araignée, de la poussière et qu'est-ce que ça sent mauvais? Tu vas avoir mal au cœur si tu entres là-dedans, Berk! Merci de me prévenir. Oh! Ça ne ressemble pas du tout à ce que j'avais imaginé. Si, c'est très bien, continue. Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Je ne sais pas. Pour une fois, elle a plutôt l'air d'être contente. Pas peur, calme-toi, je n'ai pas l'intention de te faire du mal. Tu veux dire que tu n'as pas l'intention de me manger? Moi? Te manger? Avec toutes ces plumes? Oh non, ça ne me dit rien et tu n'es pas très appétissant. Alors je suis rassurée. Je préfère les bons repas que j'ai tous les jours dans mon écuelle. Tiens, ça alors, quelle bonne surprise. Qu'est-ce qu'il y a, Scoop? Hein? Qu'est-ce que tu vois? Un joli petit oiseau bleu. Je veux le voir, moi aussi. Oh, un petit oiseau. Il a l'air gentil, qu'est-ce qu'il est mignon. On est ravis de faire ta connaissance, petit oiseau. Je m'appelle Scoop et voici Lily. Tu connais déjà Carlotta? Bonjour à tous, moi je m'appelle Pilou. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette cage, Pilou? Comment dire, c'est une longue histoire. Tout a commencé lorsque je me suis fait attaquer par un faucon. Une petite fille m'a vue et elle m'a sauvée. Bien, aujourd'hui nous allons faire des exercices de dressage. Zoé, tu veux commencer? Zoé, réveille-toi. Oh, pardon, quoi? Fais un petit effort, ce n'est pas le moment d'être dans la lune, au travail. Excuse-moi. Je vous propose de commencer par des déplacements latéraux et ensuite... Essaie de maîtriser ton cheval, qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? Ce n'est pas de ma faute si ça me démange. Les gants que tu as mis ne vont pas du tout avec la couleur de tes vêtements.
Oh, tu exagères, Zoé. Tu pourrais faire un effort, sois un peu plus gentille avec ta sœur. Je suis très gentille avec elle. J'adore ma sœur. On ne le dirait pas. Pense ce que tu veux. Oh. C'est Zoé qui a fait ça. Notre Zoé. Oui, elle a été très gentille avec moi. Si j'ai bien compris ce que tu as dit, Zoé t'a sauvé des griffes d'un faucon. T'a ramené ici et t'a fait cadeau de tout ça. Parfaitement. Je n'aurais jamais cru ça de Zoé. Tout le monde a des défauts mais aussi des qualités. Elle a dit que dès que j'aurais repris des forces, elle me libérerait. Et je me sens déjà mieux. La prochaine fois que Zoé viendra te voir, tu devrais lui montrer que tu es en pleine forme. C'est une excellente idée. Je vais faire de l'exercice et m'entraîner tant que je peux pour lui montrer que je vais mieux. Bravo, c'est exactement ce qu'il faut faire, petit oiseau. Lorsque Zoé te libérera, j'espère que tu viendras nous voir pour nous dire au revoir. Oui, promis. À plus tard, joli petit oiseau. Des plantes urticantes pour l'anniversaire de maman, tu as été obligée de les jeter et tu n'as toujours pas de cadeau pour elle. Et toi alors, tu en as un? Non, c'est vrai que je n'en ai pas non plus. À mon tour de rire maintenant. Je sais quoi donner à maman, je vais lui offrir mon oiseau bleu. Tu es certaine d'avoir bien compris, elle a vraiment dit « Je vais offrir à maman mon oiseau bleu ». Tu as peut-être mal compris, elle a dû parler d'une jupe bleue ou d'un chemisier ou alors... Non, elle a dit « mon oiseau bleu ». Mais Pilou tient trop à sa liberté, il n'a pas envie d'être un cadeau d'anniversaire. Tu as raison, allons vite le prévenir. Oui, c'est vrai. Je ne veux pas servir de cadeau d'anniversaire à quelqu'un. Je ne comprends pas. J'ai échappé au faucon grâce à elle. C'est extraordinaire ce qu'elle a fait pour moi. Pourquoi est-ce qu'elle ne comprend pas que je n'ai aucune envie de rester en cage? C'est dommage qu'elle ne se mette pas à ta place. Elle comprendrait tout de suite ce que tu veux dire. Et elle saurait exactement ce que tu ressens. Ça ne risque pas de lui arriver un jour. Inutile de rêver. Oui, à moins de forcer les choses en essayant de lui tendre un piège. Tu as de bonnes idées de temps en temps. Je te remercie, c'est gentil. Quelle est la bonne idée que j'ai eue là? Oh, ce n'est pas trop tôt. Je suis contente, j'ai presque fini. Composition, millet rouge, graines de tournesol et fleurs de cardamome. Attention! Oh non! Oh, il va falloir tout recommencer, Marie! Oh, excusez-moi, je dois y aller. C'est parti. Oh non, Carlotta, sors de là tout de suite. Arrête, Carlotta, laisse-le. Allez, attends. Va-t'en, sors d'ici. Allez. Miaou. Dehors, oust. Travaillez, Lily. Tu peux te reposer maintenant. Je ne m'attendais pas à être coincée ici. Je parie que c'est Chloé qui a voulu se venger. Si elle croit que je suis morte de peur et que je vais crier au secours, elle me connaît mal. Je resterai ici le temps qu'il faut. Même si ça sent mauvais, je m'en moque. Ça lui apprendra. Mais où est-elle? Oh, qu'est-ce qu'elle m'énerve!
Est-ce que vous avez vu Zoé? Oui, on l'a croisée. Enfin, on est tombé sur elle il y a quelques minutes. Vous savez où elle est allée? Ça, je n'en ai aucune idée. Je suis sûre qu'elle fait exprès de se cacher pour m'embêter. Je n'aurai pas le temps d'acheter un cadeau d'anniversaire pour maman. Si jamais vous la voyez, dites-lui que je la cherche. Oui, si jamais on la voit, on aura pas mal de choses à lui dire. Chloé pense que je suis méchante avec elle et elle m'en veut. C'est ma sœur, c'est normal que je sois méchante avec elle. Je ne sais pas pourquoi elle me reproche de ne jamais penser aux autres. Ce n'est pas vrai. Après tout, je t'ai bien sortie des griffes de ce vilain faucon. Est-ce que beaucoup de gens auraient fait la même chose? Oh non, ça m'étonnerait. Et je voulais même t'offrir à ma mère pour son anniversaire. Si ça, ce n'est pas penser aux autres, alors je n'y comprends plus rien. Qu'est-ce que tu en dis? Tu pourrais vivre chez moi, ce serait bien. Oh oui, et comme ça je pourrais t'entendre gazouiller et chanter tous les jours. Allez, vas-y, chante, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu ne veux pas chanter? Oh! Oh, il faut que je trouve un moyen de sortir d'ici! Oh! Chloé exagère, elle me traite de méchante alors que c'est elle qui m'a enfermée. Il n'y a rien de plus méchant que d'enfermer quelqu'un quelque part et de l'empêcher de sortir. Fais-moi plaisir, chante-moi une de tes chansons. Ou peut-être que... Peut-être que tu n'as pas envie de chanter. C'est vrai que ça ne donne pas très envie de chanter d'être coincé ici. Je suis sûre que tu rêverais de t'en aller toi aussi. Pas vrai? Tu ne supportes pas non plus d'être enfermée. Tu es comme moi. J'étais trop égoïste. Je ne pensais pas du tout à toi. Pardonne-moi, petit oiseau. Je vais essayer de nous sortir d'ici. Attends une minute. Elle a fini par comprendre. On peut la laisser sortir maintenant. Alors réveille la belle au bois dormant. Lily, réveille-toi, notre plan a fonctionné, il est temps de libérer Zoé. Le premier petit cochon est allé au marché, le deuxième petit cochon est resté à la maison. Carlotta, aide-moi à la déplacer, s'il te plaît. Oh, quelle horreur! Moi, toucher un cochon, pas question! Aide-moi, voyons, je n'y arriverai pas tout seul. Attention, j'y vais! Souhaite-moi bonne chance! T'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié, petit oiseau. Ça y est, le moment est arrivé. Il va falloir se dire au revoir. Je sais que tu es triste. Tu n'as pas trop envie de me quitter, mais il faut que je te laisse partir. Je veux te rendre ta liberté. Oui, mais oui, moi aussi, je t'adore. Tu es mignon. Je suis contente, tu as l'air d'être heureux. Je n'avais pas compris que tu n'aimais pas être en cage, mais je sais maintenant. C'est beau, tu chantes bien. Salut les filles! Qu'est-ce que tu veux encore? Excusez-moi pour tout à l'heure. Je n'ai pas fait exprès de vous bousculer. Si je peux faire quelque chose pour vous aider? Zoé, est-ce que tu te sens bien? Oui, très bien. C'est gentil à vous de me le demander. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Je n'ai pas tout à fait terminé de le peindre. J'ai quelque chose à te proposer. Ce serait bien si les pentes étaient moins lisses et recouvertes de petits cailloux. Oui, peut-être. Mais comment je peux faire ça? J'ai la solution en trois mots. Graines pour oiseaux. Oh, c'est beau! Vraiment, vous aimez? Bien sûr! Ah, enfin te voilà! Oh. À cause de
toi, je n'ai plus le temps d'aller chercher le cadeau pour maman, c'est trop tard. Oui, je sais, c'est ma faute, excuse-moi. On ira lui acheter un cadeau demain et on lui offrira toutes les deux. Oui, c'est une très bonne idée. C'est d'accord. Allons-y, Chloé. En voiture. Attends, je te tiens la porte. Monte. Merci, tu es gentille. Ma pauvre Lily, ça te démange là où tu ne peux pas te gratter. Tu exagères, Carlotta. Tu ne peux pas t'empêcher d'être méchante. Oh, je crois savoir où se trouve le liquide rose avec lequel Chloé calme ses démangeaisons. Viens, je vais te montrer où il est. Hé, hey, tiens, encore un miracle. Peut-être que Carlotta a aussi appris quelque chose. Au revoir, les amis. À la prochaine fois.